Vous et Margot, les nuages veulent dire quelque chose. On a une photo de famille où on est tous les trois assis sur une roule de bio, là. Moi, Raymond, puis Margot. Puis on est les yeux tournés vers le ciel. On fouille dans les nuages pour trouver notre père qu'on disait qu'il venait de partir au ciel. T'sais? Puis là, la question m'est venue. Je me suis dit, ah, c'est peut-être pour ça que j'aime autant les ciels. Quand je fais une peinture d'un ciel, c'est comme si j'y partais un peu moi-même. Fait que là, ça va me donner une raison de plus des aimer encore plus, peut-être en y cherchant ma sœur Margot. La grande sœur qui a inspiré votre œuvre. Oui, beaucoup. Ben, je pense qu'on s'inspirait mutuellement. Souvent, on a passé des grandes nuits à se placoter, on allait se coucher à l'aube. D'ailleurs, tu sais, sur sa couverture de livre des Semeuses de perles dont j'ai fait l'illustration, j'ai représenté le lac Lamotte à l'aube. Mais moi et Margot, on a passé beaucoup, beaucoup de temps et Margot à écrire surtout, quoiqu'elle s'était aventurée dans le dessin, puis elle était même très bonne. Mais elle préférait me laisser ça, puis se consacrer à son écriture. Margot aura souri et eu du plaisir jusqu'à la toute fin. Oui, même nous autres, on a passé toute la nuit avec elle à raconter des anecdotes, des histoires de notre enfance, des choses comme ça. Puis elle avait conscience des bons petits bouts quand même. Puis elle trouvait le moyen de rire encore de tout ça. Il y a beaucoup qui sont venus faire des témoignages, qui sont venus la serrer dans ses le bras là, avant, comme un dernier au revoir là, Le départ de en Margot disant vous occupe. oui, ça rentre les messages, là, ça arrête pas. Tellement des beaux messages. Que même moi, là, je suis à court de mots, je ne sais plus quoi y ajouter, tellement Wow. il y en a, puis tellement c'est beau, c'est tellement plein d'amour, là. C'est incroyable.